Denis Sassou Nguesso aurait empoisonné Pierre Mabiala après avoir refusé de délivrer les certificats fonciers aux autorités rwandaises. C'est une information que nous ne pouvons confirmer ni affirmer. Il y a une rumeur qui court dans la capitale congolaise, Mfoa Mavula, que le ministre Pierre Mabiala, du groupe ethnique Babembe, aurait été victime d'un empoisonnement après s'être rétracté pour fournir aux autorités rwandaises la délivrance des titres fonciers des terres acquises illégalement dans la partie sud du Congo. À l'heure que nous tournons cette vidéo, le principal intéressé serait dans un état préoccupant à l'étranger où il subit une batterie de soins médicaux. D'ailleurs, certains membres de sa famille, sous couvert de l'anonymat, ont pointé du doigt Christelle Sassou Nguesso et certains agents secrets rwandais qui se trouvent dans le pays. Pierre Mabiala serait-il le futur Guy Brice Parfait Kolela? Après s'être opposé frontalement à cet accord de cession des terres congolaises à Paul Kagame, difficile de le dire, difficile de prédire l'avenir. Tous les signaux sont au rouge. Le coup de poignard est caché dans l'ombre. Les divisions ont revêtu le costume du silence. Denis Sassou Nguesso sait que ses jours sont comptés, bien qu'ayant renforcé la présence des militaires rwandais dans le pays. La révolte est visible et irréversible. Qui allumera la bougie en premier dans les salles humides des fils de la veuve? Nous demandons aux militaires patriotes congolais, soucieux de l'avenir de leurs enfants, de prendre une décision courageuse et historique. Le peuple vous regarde. Si rien n'est fait, il sera trop tard. Comme au Congo voisin. Vaillant militaire patriote congolais, nous savons que vous savez qu'il vous faut sauver ce pays des mains des pharaons et adorateurs du diable. Il est l'heure du sacrifice ultime pour vos familles, pour l'avenir de vos enfants. Ce qui est arrivé à Pierre Mabiala n'est que les prémices de ce qui s'annonce dans un futur proche ou lointain. Dans la vie comme en politique, la confiance a une date d'expiration. À vous le devoir, à vous la sauvegarde de la patrie. Le peuple vous regarde. Denis Sassou Nguesso. Ange ou démon? Je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabila, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire, nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cette étape de choses. Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabila, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire, nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cette étape de choses. Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabila, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire, nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cette étape de choses.
Les mères Azonda, fais très attention de tout ce que tu dis. Tu as la famille au Congo-Brazzaville. C'est à cause de la peur qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on n'arrive pas à affronter des choses comme telles. C'est à cause de la peur. Vous avez peur de quoi? Mais nous allons à Bomaïki.